demoiselle. Cher Biget, je me permets de t'appeler Biget parce que dans une interview au magazine Zone 02, tu dis « L'idée de me lancer professionnellement sur le territoire américain me fatigue à l'avance. » Exactement comme moi, l'idée de me lancer dans cette interview me fatigue à l'avance. Première question, cher Biget. Le 1er février passé, tu as donné un concert sous chapiteau spectacle de Baroja, à Anglet, près de Biarritz. Une question importante à ce sujet, ça a été facile pour garder ta voiture sur le parking? C'est en France. Attends, je vais pas te faire le GPS, j'ai retiré mes biens. Dans un chapiteau et je crois qu'on était en avion. Donc on m'a conduit, donc on m'a déposé. Donc non, j'ai pas eu de problème. Deuxième question, cher DJ. Sur ton album intitulé Planet Janis Live, il y a une chanson intitulée The Man I Love, l'homme que j'aime. Comment savais-tu au moment d'enregistrer ce disque que tu allais me rencontrer ce soir? Tu sais, les filles de marécage, on a une espèce de vaudou. On voit dans l'avenir. Ça va? Bien. Oui. J'ai vu dans l'interview au magazine, tu dis, je cite, « J'ai appris la guitare durant l'adolescence. Cet instrument me permet depuis mes 17 ans de manger. » Je n'ai jamais essayé, mais c'est pas plus compliqué qu'avec des fourchettes. Dans les questions suivantes, mon cher BHV, dans le même registre, dans une interview, tu dis « J'ai été élevé par des gens qui adoraient la musique. J'avais un grain de sable qui me donnait une voix bizarre. » Et Joe Cocker, il a bouffé une blague. Mais... Terrible, hein? Tu lui as roulé des pelles que t'as un grain de sable? Non. Bon, question suivante, ma chère H&M. D'après une interview de toi, en septembre 2012 dans la DH, tu habites aujourd'hui à Wezembeek au Pen. Alors ma question sera assez simple. Is it moilishk televen in en stat met felicite ton? Ja, es sind so viele Zeit, vous connaissez. Ah, tu prends en anglais. Is it difficult to live in a fucking town in such a fucking country with fucking people? Yes. Yes. Allez, question suivante, ma chère Céa. Dans une interview parue dans le soir le 27 mars dernier, tu dis « Je trouve hallucinant qu'un aussi petit pays ait autant de talent au mètre carré. » Maintenant que tu es assise à côté de moi, tu penses qu'en dehors de ce mètre carré ici, il y a vraiment du talent? Yes. Tu peux pas visser? Certainement. Ça se refroidit, ça se refroidit. Question suivante. Ma chère Céa, dans une interview de toi disponible sur ubi.com, tu dis à propos des Belges, je cite, « They did not have this flag having bullshit. » Nick le ab in de us. Peuple wood rater, go to de café, to drink beer, rather than worry about their party. Why? Et je voulais juste te dire un truc en m'arrêtant pour faire des questions sur le type. Et je suis aussi un peu musicien, moi. Oui. En fait, moi, je suis flûtiste. Et en fait, j'ai appris la flûte à 12 ans. Bon. Et je m'y suis remis hier. Je voulais savoir ce que tu penses de ce que je sais faire. Quelqu'un qui a bougé les trous de ma flûte.
J'ai fait les Restos du Cœur avec, mais juste le Resto du Cœur de Bâche. J'ai pas bien mangé. C'est bien ce que je fais? Bah, faut toujours être un petit peu, je m'en flûtiste dans la vie. Bon, on va passer aux questions à choix multiples. Ma chère DCA, 4 propositions et une seule réponse. Une question facile d'abord. Avec laquelle des 4 personnes suivantes n'aurais-tu jamais retourné ton fauteuil dans de ventes? En 1, Madonna, parce qu'elle chante plus juste quand elle se tait. En 2, Michael Jackson, parce qu'il chante moins bien depuis qu'il est mort. En 3, ZZ Top, parce que tu aurais eu peur de leur barbe. Ou en 4, Barbara Streisand, parce que tu aurais eu peur de sa moustache. C'est pas facile, je comprends, c'est pas facile. Madonna. Bienvenue dans sa gueule. De toute façon, je déteste tous. Dernière question la plus difficile. Laquelle des 4 phrases suivantes utiliserais-tu le plus volontiers pour me draguer, moi? En 1. Je trouve hallucinant qu'il y a autant de sex symboles ici au mètre carré. En 2. J'ai un grain de sable dans la gorge, tu veux pas me le retirer avec ta langue. En 3. Would you rather go to drink beer or come to make love with me? Ou en 4, l'idée de me draguer te fatigue déjà à l'avance. J'ai une mauvaise intuition. Prochaine fois, je n'amène pas mon mari au théâtre. Ah, merci.